Les nôtres vivent dans la pénombre et se repaissent de la vie. Marcher parmi nous demande de renoncer aux dieux et d'embrasser la bénédiction de Mère Lamae. Allez-vous le faire? D'abord, vous devez faire l'expérience de l'histoire de notre clan à travers notre mère, Lamae Baal. Comment elle fut d'abord souillée, puis abandonnée. Il y a deux bassins, celui de la souffrance et celui de la perte. Vous devez d'abord boire dans le premier, et voir comment notre mère a souffert entre les mains de Moloch Baal. Puis vous devrez montrer votre haine de Moloch Baal en profanant son symbole. Une fois le symbole de Moloch Baal profané, vous boirez au bassin de la perte, et vous verrez comment Lamae Baal fut abandonné à ses souffrances. Ensuite, vous profanerez le symbole du renonciateur. Il ne m'appartient pas de le révéler. À présent, buvez à la coupe de la souffrance. Profanez le symbole de Moloch Baal, le profanateur. Quand vous aurez bu aux deux coupes, vous vous agenouillerez dans le bassin pour vous présenter à Mère Lamae. Lorsque j'étais prêtresse d'Arkay, Moloch Baal m'a ravagée et laissée pour morte. Un groupe de nomades a tenté de me purifier par le feu. Mais je me suis réveillée, changée. La pauvre fille, que ces flammes lui purifient l'esprit. Ancienne, que lui est-il arrivé à votre avis? Son corps a été mutilé, déchiqueté par une terrible noirceur. Sa corruption pèse encore sur elle, je la sens. Est-il vrai que ces blessures ont guéri d'elles-mêmes? Oui. C'est pourquoi j'ai insisté pour mener ce rituel au plus vite. Ancienne, la fille! Non. Nous arrivons trop tard. Non. Reculez! Empoisonnés avec ton sang. Mais nous avons survécu. Et dans le poison, nous avons grandi. Roi de la corruption, tes enfants arrivent. Ils te souilleront. Ils te détruiront. Lorsque j'ai vu ce que j'avais fait, j'ai imploré mon dieu Arkay. J'ai prié pour qu'il me libère de la malédiction de Moloch Baal. Mais Arkay n'a pas répondu. Arkay, réponds-moi! Je suis ta prêtresse, réponds! Moloch Baal m'avait dit que tu ne viendrais pas. Il a dit que tu avais détourné ta lumière. Arkay, m'entends-tu? Tu es faux! Je te rejette! Arkay, le renonciateur, nous te maudissons! Tu nous as laissé souffrir dans l'obscurité. Mais nous avons survécu. Et dans l'ombre, nous avons grandi. Et maintenant, nous nous rebaissons de
Enfant, voici votre frère. La vie coule encore dans ses veines. Déchiquetez-le afin qu'il puisse nous rejoindre. À présent, vous êtes des nôtres. Je vous offre à présent. Les catacombes sont pleines d'adeptes du profanateur. Glissez-vous derrière votre proie et délectez-vous. Appréciez vos nouveaux pouvoirs. Acceptez ma bénédiction. Le destin de Tamriel dépend de la force d'âme d'un simple prisonnier. Le mal s'éveille.
Un ennemi oublié s'agite. Ceux qui veulent détruire Tamriel traquent ceux qui menacent leur complot. Et ainsi, la mort tend ses longs bras. En cette 582e année de la Deuxième Ère, les tambours de guerre retentissent, et ainsi commence notre voyage.